leurs voiries ont été prises en compte. Ça veut dire qu'ils ont des goudrons, ils ont des voies praticables, ils ont des quatre niveaux. Mais à notre niveau, même la chance que nous avons d'avoir des cohabitants qui ne sont pas les moindres, les plus hauts cadres de ce pays-là. Mais avec tous ces cadres-là, nous avons constaté qu'il y a eu un abandon total au niveau des voiries de notre quartier. On n'a pas de voies. Et quand il pleut comme ça, la majeure partie des concessions de nos mamans et de nos papas sont inondées. Et nous avons essayé d'entamer une démarche auprès de maire de l'arrondissement pour lui demander et de se pencher sur la situation du quartier, chose qui n'a jamais été faite. Elle a fini par nous dire que ça ne relève pas de sa compétence et que c'est mieux pour nous d'aller voir avec le maire central. Chose qu'on a essayé de faire, on n'a pas pu et nous avons décidé samedi avant-hier de sortir barricader le goudron pour qu'il puisse quand même venir échanger avec les résidents de l'arrondissement numéro 12, plus particulièrement de la Padoie. Quelques minutes après, un agent de la mairie est dépêché sur les lieux. Objectif, tenter de trouver une situation afin de régulariser le trafic sur cette importante voie de la capitale, Burkinabé. Mais visiblement, les jeunes ne sont pas rassurés. Ils exigent la présence du maire de la ville de Ouagadougou. À défaut, un membre du conseil municipal. Et ils ont dépêché une délégation de la police municipale qui sont venus. Nous avons fait les doléances qui est de leur dire d'aller voir avec le, c'est le maire central que nous voulons échanger avec. Nous voulons échanger avec le maire central, non seulement parce que le maire central, c'est lui qui est le premier de la capitale, mais il réside dans notre quartier. Et c'est un conseiller de notre arrondissement. La dernière nouvelle que nous avons est que le maire central n'est pas à Ouaga. Il est en déplacement. Il nous a fait attendre hier par une interview qu'il a donnée à une presse de la place, comme quoi notre démarche il est légitime, mais ce n'est pas en sortant, ce n'est pas en nous faisant entendre que lui il va passer de porte en porte pour mettre des goudrons. Et nous pensons que pour une autorité qui veut écouter ceux-là qui l'ont voté, ce sens de déclaration n'est pas à tenir. Même s'il est voyagé, tenez-vous bien que nous sommes des intellectuels. Et ce n'est pas une seule personne qui gère une mairie. Si c'est lui seul qui peut gérer les problèmes de la mairie centrale, donc ça veut dire que nous, on est mort. La situation est devenue insupportable pour les résidents de ce quartier. Elles sont nombreuses, les familles qui vivent aujourd'hui dans la précarité, faute de toit, car leurs maisons se sont effondrées dans la nuit du dimanche 5 septembre à cause de la forte pluie, conséquence du manque des caniveaux sur cette voie. L'autorité municipale est attendue avec urgence par cette population sinistrée.